du conseil d'arrondissement du euh, 10 octobre 2023, il est 18h et nous allons commencer la séance sur le budget je suis Émilie Tupillier, la mairesse de l'arrondissement et je vous présente dès maintenant les conseillers et conseillères de l'arrondissement, à commencer à ma gauche par madame Effigianou, conseillère du district de Bordeaux-Quartierville là où nous nous trouvons aujourd'hui bonsoir ensuite madame Nathalie Goulet, conseillère du district d'Unsic, bonsoir Madame Julie Roy, conseillère, conseillère du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Et M. Jérôme Normand, conseiller du district du Sceaux-aux-Récollets. Bonsoir, tout le monde. Je passe maintenant la parole à notre directrice d'arrondissement pour qu'elle puisse se présenter ainsi que son équipe. Merci, Madame la mairesse. Donc, je suis Diane Martel, directrice de l'arrondissement dunsic cartier Et je laisse mes collègues se présenter à tour de rôle. Bonsoir Marc Cardinal, directeur performance greffe et services administratifs. Bonsoir Chantal Chateauvert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir Linda Lajeunesse, secrétaire recherchiste. Bonsoir Amélie Dubé, directrice culture, sport, loisirs et développement social. Bonsoir Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Bonsoir Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Et euh, nous allons maintenant donc euh, procéder euh, directement au point 10.02, Madame Châteauvert. Alors, constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 10 octobre 2023 à 18 heures. Donc, euh, nous constatons l'avis et je propose l'adoption de l'ordre du jour. J'appuie. Donc, c'est adopté. On passe à 10.03. C'est la présentation du budget 2024 et du programme décennal d'immobilisation 2024-2033 de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Alors, nous allons faire la présentation comme par les années passées, une présentation... Partagé avec euh, Monsieur Cardinal, qui est responsable euh, du greffe et des services administratifs et de la performance. Donc, on est très heureux aujourd'hui de vous présenter le budget 2024 de l'arrondissement. Donc, on peut passer la page suivante. Voilà. Donc, euh, l'objectif, il est toujours le même. Hein? On suit euh, la loi sur les cités et villes et le code municipal, euh, qui prévoit l'obligation pour le conseil de tenir au cours de la période d'adoption de son budget annuel, une séance pendant laquelle les délibérations du Conseil et la période de questions doivent porter exclusivement sur le budget de fonctionnement ou, mais là ça va être et, le programme triennal d'immobilisation. Et donc, c'est la séance extraordinaire que nous avons en ce moment à 18 heures juste avant l'autre séance ordinaire. Donc le processus d'adoption des budgets, euh, il est toujours le même, hein, mais c'est un rappel. Donc on adopte nos budgets. Il y en a deux le budget de fonctionnement et le programme triennal d'immobilisation, mais qui est en fait maintenant un peu un programme décennal hein, sur dix ans, du conseil d'arrondissement, en fait de l'arrondissement par le conseil d'arrondissement, ce qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, on dépose les budgets d'arrondissement au comité exécutif de la ville de Montréal et on adopte le budget de la ville de Montréal au conseil municipal de la ville euh, plus tard, euh, avant la fin de l'année. Et c'est la même chose pour le budget de l'agglomération au conseil d'agglomération. Donc, si vous avez notre arrondissement... Que vous reconnaissez certainement avec les districts électoraux et avec la population, 135 000 personnes, 336. En fait, 135 336 personnes sur une superficie là, de 24 km. Vous voyez par la suite qu'on a beaucoup d'infrastructures dans l'arrondissement, donc des rues, des trottoirs, des conduites d'égouts, des conduites d'aqueduc, eh, qui sont évidemment en partie aussi gérées par la Ville-Centre. On a euh, des installations, c'est pas peu dire, 79 installations donc, des, euh, de l'immobilier. On a beaucoup de parcs dans l'arrondissement et on en a maintenant 78. C'est rare qu'on ajoute un parc, mais si vous regardez par rapport à l'année dernière, nous avons ajouté un parc dans l'arrondissement qui est le parc Zotic Rasico, euh, qui est euh, dans le district d'Ansic. Donc, on a ajouté là, des, des modules de jeu. Ensuite, vous voyez, bon, les jardins communautaires, ça reste comme ça. Vous voyez aussi des nouveautés. Puis, euh, si vous étiez au conseil d'arrondissement du mois de septembre, vous en avez peut-être entendu parler. Mais on croit beaucoup à l'agriculture urbaine dans l'arrondissement, et donc des nouveautés là euh, cette année qui apparaissent trois potagers collectifs, deux jardins nourriciers. Euh, C'est très intéressant. Ensuite, on continue. On a des jeux d'eau, des pataugeoires, des patinoires extérieures, euh, une patinoire extérieure réfrigérée qui est juste ici, là en face au, au parc de Maisy. Trois arènes, trois bibliothèques, évidemment notre maison de la culture et trois piscines, donc la piscine intérieure Sophie Barra et deux piscines extérieures. Et euh, donc, on continue dans l'arrondissement. Vous le voyez ici, je ne vais pas vous faire le détail de tous les chiffres, mais euh, fait notable, nous avons 55 centenaires. C'est quand même extraordinaire. On a une variation de la population d'à peu près 1% entre les deux derniers recensements. Et environ le même nombre d'hommes que de femmes, avec 51 de femmes dans l'arrondissement. On a des ménages, comme vous le voyez, en majoritairement d'une personne, mais aussi on a des, des familles, donc des ménages de trois, quatre, cinq personnes et plus aussi. Donc c'est assez mélangé. Et comme vous le voyez, on dit souvent que Montréal est une ville de locataires. Bien, c'est vrai aussi dans notre arrondissement. Vous voyez, 61 des ménages dans le quartier-ville sont des locataires. Si je poursuis euh, le budget de fonctionnement, donc euh, en 2024, c'est quoi un budget de fonctionnement? Donc, vous l'avez ici. Le budget de fonctionnement, c'est vraiment euh, les dépenses et les revenus pour financer les services que l'arrondissement offre à la population. Donc, ce qu'on a dans le budget de fonctionnement, par exemple, c'est la rémunération, évidemment, des employés, l'achat de biens et services, des contributions financières à des organismes, euh, c'est toutes les dépenses liées au déneigement, à la collecte, aux déchets, l'entretien des rues, des parcs, des espaces verts, mais aussi tous les services là, qui sont rendus dans nos bibliothèques, à la Maison de la Culture et dans nos installations sportives. Donc, tout cela, c'est le budget de fonctionnement. Et qu'en est-il pour cette année? Voilà, donc un budget équilibré, mais vous le savez, on n'a pas le droit de faire de déficit. Alors, euh, nos budgets sont toujours équilibrés. Cette année, notre budget est de 65 812 000 C'est une hausse de 3,95 par rapport au budget de l'année dernière. Et euh, fait notable, nous avons un, une indexation des transferts centraux, donc c'est-à-dire euh, l'argent que nous envoie la ville de Montréal, donc une indexation à 2 nous avons un taux de taxation locale ici cette année à 0,0438 du 100 d'évaluation. On va le voir tout à l'heure, qui est relative à la taxe locale au service, euh, qu'on appelle parfois plutôt taxe locale. En fait, c'est son petit, son petit nom. Et on a une indexation moyenne des tarifs à 2,2 vous le savez, dans l'arrondissement, on a un plan stratégique 2022-2025. Et euh, avec ce plan euh, stratégique, on fait des améliorations de services à la population chaque année. Et euh, voici les améliorations de cette année. Donc, nous allons poursuivre le, la mise en œuvre du plan maître de plantation. Que nous avons déjà adopté, là, notre plan maître de plantation qui va jusqu'en 2031 et qui stipule de planter au moins 1300 arbres par année en priorisant les îlots de chaleur. Et pourquoi vous le voyez là C'est que ça fait plusieurs années qu'on a effectivement ce plan, mais les, euh, les employés étaient payés à travers euh, des surplus. Et là, cette année, on vient mettre ces employés-là dans la base budgétaire, donc dans le budget de l'arrondissement, parce que c'est vraiment notre volonté jusqu'en 2031. De planter au moins 1300 arbres par année, et nous avons bien vu que nous avons besoin de ces employés pour ce faire. Cette année, on, on met aussi dans le budget une bonification du service d'entretien et de déneigement des pistes aussi parce qu'il y a quelques mètres de plus de, de, plus de pistes quelques centaines de mètres de plus de pistes également. On va consolider l'équipe en mobilité. Et on poursuit donc l'implantation des 120 dos d'âne par année, des mesures d'apaisement de la circulation, euh, surtout auprès des lieux où il y a des enfants, des personnes âgées. Et, et tout cela, finalement, se fait aussi avec des employés. Donc, c'est pour ça qu'on vient bonifier les services. On a aussi adopté l'année dernière le plan directeur des parcs et espaces verts. Et euh, on a une feuille de route très ambitieuse de faire entre rénover, en fait, rénover trois à quatre parcs par année, ce qui est vraiment beaucoup dans les dernières années. mais euh, ben, Avant, c'était un ou deux. Là, les dernières années, on arrivait à faire deux à trois parcs par année. Mais l'ambition pour vraiment suivre notre plan, c'est de rénover trois à quatre parcs par année. Et euh, donc, on a besoin d'avoir euh, encore là des employés qui nous aident à faire ce travail. Euh, la dernière page pour ce qu'on souhaite faire en 2024 avec le budget qu'on vous propose, donc on était justement dans les parcs, alors pour 2024, le plan c'est d'agrandir le terrain de basketball du parc Marcelin-Wilson, de réaménager le parc Jean-Martucci et de rénover l'art de jeu du parc gigi Gagnier. On souhaite aussi mettre en œuvre une trentaine de projets de déminéralisation dans le but évidemment de contrer les îlots de chaleur. On est aussi dans l'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf logements et plus, les institutions, les commerces et les industries. Donc, vous savez probablement que tout cela s'est fait dans le district de Sauk on Récollet à partir maintenant de novembre. Et en 2024, on ajoute deux districts, le district d'Ansic et le district de Saint-Sulpice, donc pour la collecte des résidus alimentaires pour toute la population. Nous allons aussi mettre en œuvre les projets sélectionnés lors du troisième budget participatif de l'arrondissement, euh, poursuivre la mise en œuvre du plan de développement économique d'Antic-Quartier-Ville, donc toujours notre plan qu'on a adopté l'année dernière ou même cette année en début d'année qui va jusqu'en 2027. Et euh, cette année, on va aussi procéder à la réfection d'une partie de l'avenue Wood entre l'avenue, la rue pardon Hervé et le boulevard Gouin Ouest, suite à la, la consultation publique qu'on a fait avec les résidents et résidentes de cette rue. Et euh, pour la suite, je passe la parole à Monsieur Cardinal. Merci, Madame Tulier. Donc pour euh, l'enveloppe budgétaire, vous voyez ici l'évolution depuis 2022, donc 22, 23 et 24 que ce soit, donc, dans le fond, au niveau des quatre catégories, soit les transferts de la ville-centre, la taxe relative aux services, les revenus de sources locales, ainsi que les affectations de surplus. Donc, de façon le plus précise, le premier volet représente évidemment une partie des revenus perçus par la ville, centre redistribués aux arrondissements. Le deuxième, c'est l'espace, évidemment, qui appartient à l'arrondissement, qui est perçu par le billet de compte de taxe. Le troisième, les revenus provenant de divers services tarifiés offerts par l'arrondissement, donc euh, que ce soit par exemple au niveau de la location ou des installations euh, sportives, occupation du domaine public ou autre. Et la quatrième volet, évidemment, ce sont les sommes issues des réserves, soit d'une réserve financière, se font réservé sur plus de l'arrondissement. Alors vous voyez à la diapo suivante la, la répartition en fait, donc euh, au niveau des transferts centraux qui représentent... Montant de 52 millions, donc 80 euh, au niveau de la taxe relative 14 donc pour 9 954 000. Les revenus de source locale pour 2 345 000, soit 4 et l'affectation euh, de surplus à la hauteur de 1 million, donc représentant tout près de 2 La diapo suivante, en fait, illustre un peu l'exemple d'un compte de taxes euh, avec les détails. Alors, dans le fond, la première section, euh, je sais que c'est écrit en petit, mais vous pouvez avoir accès au document également. Donc, c'est le nouveau euh, rôle de l'évaluation foncière, donc euh, de 2023, en fait. Là, pour, euh, on sait que l'année passée, il y a eu un nouveau rôle. Alors, et on se souvient que euh, les augmentations prévues au rôle sont euh, réparties sur les trois années. Donc, c'est à chaque année qu'on augmente graduellement. Donc, ça ne se fait pas d'un coup, évidemment. Donc, l'année 2023, 2024 et 2025. Donc, on y retrouve également aussi des informations sur la taxe qui figurent sur votre compte de taxe et également aussi des informations sur les immeubles non résidentiels. On partage également ici une, un exemple de une estimée de la taxe en fait, relative au service d'un cas dominion, par exemple, d'une valeur moyenne. Donc, on peut voir justement ce qui est illustré au niveau de, euh, du rôle donc de 2020-2021-2022 versus l'augmentation du rôle 23 24 25 Alors, on voit qu'il y a une hausse de la valeur foncière estimée, par exemple, 99 000 pour les fins de l'exercice. Par la suite, on voit l'étalement de cette euh, hausse sur les trois années. Alors, on voit ce que ça représente comme un euh, justement en 2023 et en 2024, et pour euh, l'année 2024, ça représenterait une augmentation de 15,46 À la diapo suivante, on voit exactement le même genre d'exemple de, pour euh, une propriété unifamiliale, donc où encore là, on reprend une estimation là, au niveau de la valeur, euh, en fait, euh, au niveau du rôle, donc de 2000, euh, 2023. 23 et par la suite, l'imposition avec le nouveau rôle réparti sur les trois années avec une augmentation qui représenterait un montant de 32 et 4 par année. Donc ici on a la, les revenus par activité, donc selon les catégories du euh, ministère des Affaires municipales. Donc on retrouve évidemment euh, l'administration générale, que ce soit la sécurité publique, le transport, l'hygiène du milieu ou encore l'aménagement urbaniste, développement, loisirs culture et euh, autres activités. Donc euh, c'est ce que vous avez détaillé euh, par activité. Donc je laisserai je crois. Oui. je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc euh, comment on arrive à équilibrer le budget, justement, comme on vous le disait. Donc, euh, on a des dépenses supplémentaires à prévoir. Vous les avez ici devant vous. Donc, l'indexation des dépenses de rémunération, 65 000 D'autres indexations, donc on le sait, le tout coûte plus cher. Donc, il y a euh, des indexations dans pleine familles de dépenses qui représentent 829 000 On a aussi la consolidation de l'offre de services, dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure et qu'on va revoir à la page suivante. Pour un 1 500 et donc la totale des dépenses à prévoir de plus que l'année dernière est de 2 498 500 Alors comment on dépense pardon comment on finance ces dépenses supplémentaires Donc l'augmentation des transferts centraux, on l'a dit tout à l'heure le 2 ça représente 1 552 400 euh, les revenus supplémentaires de la taxe relative aux services 967 900 les augmentations de revenus, on a des loyers, en fait, ce sont les loyers ici, là, au 4C, 100 000 de plus. Et euh, la réserve d'arrondissement, en fait, euh, on prend euh, moins d'argent dans la réserve que l'année dernière. Donc, c'est pour ça que vous voyez un moins 121 800 à cet endroit. Et donc, le total de financement, c'est le même que les dépenses, puisqu'on doit avoir une, euh, un budget équilibré. Donc, si on passe à la page suivante. On vous parlait de la consolidation de l'offre de services. Donc, en fait, en clair, c'est qu'est-ce qu'il y aura de plus en 2024 grâce à ce budget de fonctionnement. Donc, euh, c'est un peu de la répétition, mais je pense que ça vaut quand même la peine là, de le revoir. On parlait tout à l'heure, le plan maître de plantation. Donc, planter au moins 1300 arbres par année. Donc, vous voyez des ressources additionnelles. En fait, il y en a plusieurs pour 450 100 Des ressources additionnelles pour le déneigement et l'entretien des pistes pour 276 500 L'entretien du réseau express vélo, donc ça c'est pour un, un balai, c'est un contrat, soit 70 000 Le nettoyage printanier des trottoirs, évidemment, on le fait euh, nous-mêmes aussi avec nos employés, mais pour aller plus vite et faire mieux, on a aussi un contrat de 140 000 euh, Un conseiller euh, en planification pour de l'amélioration continue, c'est toujours bien dans une, une institution, donc un, on a un poste ici pour 114 000 un ingénieur supplémentaire en circulation pour tout ce qu'on souhaite faire en apaisement de la circulation. Euh, vous avez ici un autre poste à 118 400 Conseillère en ménagement pour la révision de la réglementation. Donc ça, c'est pour euh, améliorer notre règlement d'urbanisme, mais sans avoir d'effet sur les permis, hein, parce que euh, les conseillers en aménagement souvent vont aussi euh, nous aider dans les permis. Donc, on se donne euh, la possibilité avec un nouveau poste de ne pas avoir d'impact sur la délivrance des permis. Donc, c'est aussi un montant de 114 000 des ressources pour le plan directeur des parcs espaces verts, comme je vous le disais tantôt, là, pour rénover de 3 à 4 parcs par année. Donc, on a deux ressources pour 209 200 Des ressources pour la division de la mobilité pour 40 300 Et euh, l'amélioration des équipements en santé et sécurité au travail, 40 000 Et notre bibliomobile que euh, nous financions le, de supplément par les années passées avec euh, le surplus, mais là, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Alors, on s'est dit que c'était vraiment euh, quelque chose qu'on souhaitait avoir dans notre arrondissement et donc, on le met au budget cette année et pour les années futures, donc pour un montant de 25 000 ce qui fait le total de 1 539 500 Et je repasse la parole à M. Cardinal. Merci. Donc, ici, vous voyez la répartition du budget par direction, donc évidemment avec euh, les montants et les pourcentages. Alors, si on débute avec la direction des travaux publics, vous voyez également l'évolution sur trois années, donc 2022, 2023 et 2024. Alors, vous voyez qu'il y a une constance évidemment au niveau euh, des pourcentages. Donc, on voit euh, les sommes pour les travaux publics, soit pour 2024, 26 154 000, euh, performance grève service administratif à 13 224 000, représentant 20 culture, sport, loisirs, développement social à 12 236 000 et développement du territoire 11 739 également direction de l'arrondissement pour 2 454 000. À la suivante la même chose donc au niveau de, du graphique pour illustrer les pourcentages la diapositive suivante l'organigramme de l'arrondissement donc pour illustrer dans le fond notre structure organisationnelle ainsi que les personnes en poste le nombre de personnes annuellement que nous avons à l'arrondissement dans les différentes directions Et euh, au niveau des effectifs, donc, qui sont détaillés ici par euh, direction, donc, ce qu'on retrouve euh, évidemment là, au niveau de, de l'organigramme, donc, que ce soit pour les travaux publics, euh, culture, sport, loisirs, développement social, développement du territoire, performance, grève, service administratif ou direction de l'arrondissement. Donc, on voit également aussi depuis 2022 euh, le nombre d'employés, calculés en années personnes. Maintenant, on retrouve ici euh, également les dépenses par activité, toujours selon les catégories du euh, ministère des Affaires municipales. Donc, on retrouve euh, dans le fond les mêmes blocs que j'ai énum énumérés tout à l'heure. Alors, je les renommerai pas, mais au niveau de, vous les voyez à votre gauche, là, dans le fond, sont illustrés. Et euh, également aussi, les euh, les colonnes vous indiquent, par exemple, à partir de l'année 2022, ce qui était réel et 23 et 24 également aussi, ainsi que l'indice de variation qu'on retrouve dans la dernière colonne. Dans le fond, la colonne 26, la colonne 27, c'est la suite. Donc, vous voyez au niveau euh, du montant total. Par exemple, ici, les montants réels, donc, de 2022, 2023 et euh, 24. Donc, pour le 65 812, qui a été euh, mentionné en tout début de présentation. Oui, donc euh, on a fini le budget de fonctionnement. Maintenant, on est dans les réserves. Donc, vous savez, l'arrondissement. A des réserves ainsi que des fonds. Vous les voyez à l'écran. Je vais parler plutôt de la, colonne, la dernière colonne. Donc, au 10 octobre 2023, Donc, notre réserve d'éneigement est à 2,3 millions. Là, je vais faire des approximations. Là. Notre réserve santé et sécurité au travail, 735 000. Euh, notre réserve imprévue de 905 000 environ. La réserve développement qui est à environ 1,7 million, notre réserve immobilière à environ 3 millions et pour un total des réserves de 8 748 714 On a aussi deux fonds qui euh, sont à l'arrondissement depuis la création de l'arrondissement. Donc, le fonds de parc et terrain de jeu de 2,4 millions environ et le fonds pour les unités de stationnement d'environ 1 million. Et donc, tout, euh, si on calcule tout cela, si on additionne, ça fait 12 113 740 pour l'arrondissement, pour nos réserves. Et les réserves, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on les utilise au fur et à mesure euh, en fonction des besoins et liés au plan stratégique de l'arrondissement 2022-2025 donc ici vous avez le solde des réserves au 31 décembre 2022 euh, donc à, à la fin de l'année dernière qui était de 8 922 288 dollars plus le surplus de gestion de 2022, donc un presque 5 millions de dollars qui a été ajouté. Donc, nous avons commencé l'année avec 13 851 288 dollars dans les réserves. Et là, vous avez la liste de tous les projets qui ont été approuvés est payé par les réserves de l'arrondissement depuis le 1er euh, janvier 2023. Donc, je ne vais pas toutes les passer, mais vous les avez et c'est des dossiers qu'on a vus à tous les conseils d'arrondissement euh, au fur et à mesure. Donc, on peut aller à la page suivante. Donc, on a encore là, euh, des, euh, ou des dossiers ou des contrats ou des contributions qui ont été payées avec les réserves. On peut aussi aller à la page suivante. Et vous avez encore là, des contributions financières euh, et d'autres contrats qui ont été payés avec les réserves de l'arrondissement. Et on peut tourner la page encore. Et là, on a les derniers. Euh, au tout début, là, on a le dernier qui a été fait euh, dans un conseil d'arrondissement. Et le, les, cette page-là, vous le voyez, là, le CA de, du 10 octobre, donc c'est tout à l'heure, à partir de 19 heures, il y a certains dossiers que nous allons euh, voter qui sont euh, payés par les surplus de l'arrondissement et vous les voyez ici euh, tous bien notés. On vous les a mis un peu à l'avance parce que c'était quand même un peu dommage de ne pas les mettre alors qu'on va les voter ce soir. Donc, vous les avez déjà maintenant. Ça fait un total pour, le, pour toute l'année 2023 à ce jour de 5 102 575 Et ce qui nous fait, parce qu'on fait le 13 millions moins le 5 millions environ, ça fait en sorte que. En ce moment, au 10 octobre, donc après la séance du Conseil d'arrondissement de ce soir, nous aurons des réserves de 8 748 713 On passe maintenant au PDI, donc le programme décennal d'immobilisation. Et en fait, là, ici, c'est vraiment des investissements que l'arrondissement prévoit réaliser dans les dix prochaines années. Et euh, évidemment, c'est une programmation qui peut être revue chaque, chaque année, mais on a vraiment les, les investissements que nous souhaitons faire. Donc, les sources de financement pour le PDI, à la page suivante, c'est par euh, des emprunts ou des programmes de la ville-centre ou euh, des subventions qui peuvent, euh, qui peuvent venir de, des gouvernements, par exemple, ou des réserves financières de l'arrondissement ou une taxe locale, mais nous, on n'a pas de taxe locale pour notre PDI. On passe à la page suivante. Donc, le poids de la dette. Le, tous les investissements qui ont été faits là, depuis 2005 euh, sont comptabilisés sur euh, une dette. C'est comme, en fait, c'est comme l'hypothèque, si on veut. Et donc, on a euh, un 49 millions de dollars ici, et on doit payer chaque année. Ça s'appelle des annuités, qui est un peu notre taux, euh, notre paiement hypothécaire. Et donc, pour l'année 2024. Les annuités, donc ce qu'on va payer à la fois en capital et en intérêt, sont de 7 657 800 Je poursuis avec les faits saillants de notre PDI. Donc en fait, on a 7 113 000 par année et on fait x10 parce qu'on a le même montant chaque année, donc c'est 71 130 000 euh, à chaque année, donc pour 2024 jusqu'en 2033. Là, vous avez le, le pourcentage pour 2024 et vous voyez sur la décennie le pourcentage de désinvestissement puis on voit que les trois principaux postes de dépenses sont le programme de réfection routière, le programme de protection de bâtiments et le programme d'aménagement de parcs. Forcément comme on l'a vu au tout début, c'est les principaux actifs de l'arrondissement, donc c'est là où on dépense le plus pour faire des rénovations. Par la suite, il y a le programme de dotation des installations sportives communautaires et culturelles. Euh, là, on a presque terminé. Ça, c'était ici le 4C, mais il n'y a pas de dépenses prévues pour euh, le reste de la décennie. Ensuite, on a le programme d'achat de mobilier urbain. Euh, ça peut être euh, des bancs euh, et des... Euh, comment dire, des... Euh, des petits signaleurs pour montrer la, la vitesse à laquelle on roule, par exemple, donc un petit 2 Et le programme informatique et technologique, donc vous voyez, 1 Pour la planification 2024, donc qu'est-ce qu'on fait en 2024? Puis là encore, c'est un peu un résumé de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc le programme de réfection routière, alors, on, on répare les rues, tout le réseau routier, euh, les rues locales, en fait, plutôt, donc euh, les rues euh, résidentielles, les plus petites rues, donc pas les grandes artères. C'est l'arrondissement qui répare les rues. Et en 2024, ben, on a un grand projet quand même. Euh, c'est, comme je vous le disais, une partie de la rue Wood, euh, où euh, c'est une, une rue qu'il faut absolument refaire complètement. Et donc, on va en profiter aussi pour euh, mettre des mesures d'apaisement de la circulation sur cette rue-là. Mais en fait, là, la mesure d'apaisement, c'est Plutôt pour l'ensemble des autres rues, donc euh, des dos euh, nos 120 dos par année, et on reconstruit aussi euh, des trottoirs et des bordures de rues avec cet argent-là. Dans la page suivante, donc le programme d'aménagement des parcs en 2024. Qu'est-ce qu'on fait? On agrandit le terrain de basketball du parc Marcelin-Wilson. C'était sorti très, très fort quand on a fait la consultation publique sur ce parc. On va aussi faire les travaux au parc Jean-Martucci, encore le suite à la consultation publique. Euh, donc, il y aura euh, des aires de jeu, les jeux d'eau et le parc à Achien et l'aire de pique-nique. Et aussi, on va rénover l'aire de jeu du parc Gigi-Gagné dans le saut récollet pour les programmes, le programme pardon de protection des bâtiments, euh, on va travailler fort sur l'édifice Albert Dumouchel, qui est l'édifice où il y a la bibliothèque Oncic et la maison de la culture. Donc, on prévoit de travailler sur la toiture. Et on a aussi un programme de décarbonation et d'efficacité énergétique là, de la ville de Montréal. Alors, pour terminer la présentation, je passe, je repasse la parole à Monsieur Cardinal. À fait merci. Donc, euh, au niveau de la répartition, en fait, là, sur les dix prochaines années, comme Mme Mathieu le mentionnait, euh, évidemment, le court terme est beaucoup plus précis, dans le sens qu'on suit l'évolution donc, et on planifie en fonction, évidemment, des besoins. Alors, au niveau du programme d'aménagement des parcs, par exemple, pour l'année 2024, alors, vous voyez ce qui est prévu comme travaux. La même chose au niveau euh, du programme d'achat de mobilier urbain, par exemple, ou encore programme de réfection routière à 2,6 millions. On voit que, là, évidemment, les sommes investies sont beaucoup plus importantes du maintien de nos actifs qui requiert ces investissements programme de protection de bâtiments également aussi à 2.6 et un programme informatique et technologique à 50 000, donc qui nous amène à un total de 7 113 000, évidemment, euh, qui revient à chaque année. Donc on planifie nos besoins pour l'année 2025-2026 également aussi en fonction de nos infrastructures. Et la dernière diapo également aussi au niveau des investissements prévus en 2024. Donc, on voit là vraiment de façon spécifique au niveau des programmes d'aménagement de parcs, de dotation d'installations sportives, communautaires et culturelles, d'achat de mobilier urbain, de réfections routière, bâtiments et d'équipements inf euh, informatiques et technologiques pour le montant de 7 113 000. Donc, voilà. Merci, Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut la présentation euh, du budget de fonctionnement et du PDI. Donc, Mme Châteauvert, maintenant, va passer à 10.04. Alors, c'est la période de questions du public. Oui. Donc, on n'a euh, pas de reçu de questions par Internet pour le budget et on a une personne qui s'est inscrite pour euh, les questions euh, sur place. Donc, j'invite Monsieur Gilles Larocque à venir euh, au micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que je suis limité à une, à une question? Bien, on peut vous en donner euh, deux, mais pas oui. jusqu'à 19h, parce qu'il y a des choses qu'on doit faire avant 19h. Mais euh, vous pouvez en poser quelques-unes, on va dire ça. Je commence à la page 13. Moi, j'en reviens encore parce que l'année passée, on avait eu la même eu discussion. Le numéro 2, la taxe relative aux services. J'avais demandé si c'était... Sur le compte de taxes, la partie arrondissement. Parce que quand on regarde le compte de taxes, il y a deux taxes là-dedans. C'est-à-dire la partie arrondissement, là, il y a la taxe relative aux services puis il y a la taxe relative aux investissements. Oui. Est-ce que le numéro 2 ne comprend que la taxe relative aux services? Oui. Où va, à ce moment-là, ou comment est comptabilisé, comment je peux savoir? Ma taxe relative aux investissements, qui représente à peu près 45 de cette portion-là, là, là ben, je sais que c'est la ville centre qui décide là. Exact. Mais pourquoi vous mettez toujours ça dans la taxe relative, c'est-à-dire dans les taxes d'arrondissement, puisque vous n'avez aucun pouvoir là-dessus Alors, si on peut aller à la page, puis je cherche. L'explication du compte de taxe Non, la taxe, les animités, là. Quelles sont les annuités? Ah oh oui, en dernier, là. Votre remboursement de 7 millions, là? Excusez, je regarde ça. Est-ce que quelqu'un le trouve avant moi? La page 36. La page 36. 36. Ah, j'arrivais. Merci. Page 36. Donc, c'est ça. En fait, c'est classé par arrondissement parce que tous les arrondissements n'ont pas la même dette parce que tous les arrondissements ne font pas le même euh, PDI chaque année. Exemple, nous, on a environ 7 millions de PDI chaque année. Il y a des arrondissements qui ont 4 millions de PDI par année, il y en a d'autres qui en ont 10. Donc forcément, on n'a pas la même dette parce qu'on ne fait pas les mêmes investissements par année. Et le calcul, vous l'avez ici, c'est-à-dire la, le solde de la dette de l'arrondissement, puis c'est comptabilisé là, depuis la naissance de l'arrondissement depuis 2005, donc jusqu'en 2022 et vous avez notre sol qui est à peu près 40 50 millions c'est si on arrondit et effectivement après les emprunts là, le remboursement en capital les remboursements en intérêts ça c'est la ville centre qui calcule puis c'est en fonction des emprunts que la ville de Montréal fait sur les marchés internationaux là c'est pas l'arrondissement qui se prend des emprunts directement et ça fait en sorte qu'on paye 7,6 ou 7,7 millions de dollars à peu près chaque année et donc ça c'est la ligne sur la taxe d'investissement de l'arrondissement. Mais ça ne paraîtra pas dans les résultats. Ça, c'est des. C'est parce oui. qu'on me dit qu'on vient chercher, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, 260 directement via mon compte de taxe, mais c'est un arrondissement, c'est du financement, c'est la Ville-Centre qui décide. Ça pourrait être clarifié un petit peu? Parce que pour moi, c'est. On ne peut pas faire plus clair que ça. Puis d'ailleurs, je vous remercie parce que c'est grâce à vous et c'est grâce à Mme Bélanger qui est avec nous, là, qui travaille à l'arrondissement, qu'on a maintenant cette page-là sur la dette parce qu'on n'avait pas ça avant. Dette. Donc, ça, maintenant, on a le montant d'annuité. Mais vous avez raison que la, la reddition de compte se fait à la grandeur de la ville de Montréal parce que c'est la ville qui emprunte ce n'est pas l'arrondissement qui emprunte directement. Entre nous autres, la Ville-Centre est cheap un peu. On, a, on vient d'apprendre qu'ils vont augmenter les tâches de 5,2 peut-être, alors que les transferts qu'on va obtenir, c'est 3,05 Par contre, la taxe relative aux services, c'est une augmentation de 10,77 Alors, il nous transfère ça. Bon, OK. Peux-tu aller à la page 18, Oui. s'il vous plaît Ça, ça a un lien avec une question quand vous nous avez présenté les résultats. Le fameux MAMH, ce n'était pas possible. Mais là, c'est possible quatre mois plus tard. C'est parce qu'on ne voulait pas me les donner au mois de juillet ou au mois de juin. Mais, juste à page 19, c'est rien qu'un petit détail. Là. Le réel comparatif, le mot comparatif, dit que c'est par rapport à un autre. Enlevez donc le comparatif de là. C'est marqué 2022 comparatif. Comparatif à quoi? Dans le budget, OK, on a 2024, comparatif 2023, mais vis-à-vis -vis de la colonne 2022, là, scrapez, s'il vous plaît, le mot comparatif, parce que ce n'est pas un comparatif, je ne sais pas par rapport à quoi. Mais en fait, c'est des comparatifs, parce qu'ils sont hey. tous pareils, mais vous avez raison que le mot comparatif est peut-être un peu superflu. Je vais quand même euh, transmettre votre question à M. Cardinal, puis… Je, je ne voudrais pas non plus qu'on entre dans les prétentions. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ne voulait pas vous les donner. Donc, M. Cardinal, pourquoi est-ce que maintenant on arrive à avoir le budget présenté de cette façon-là? Effectivement, on le présente à chaque année, donc basé sur le même modèle que l'année passée. Puis le volet comparatif, effectivement, comme vous l'avez mentionné, c'est l'année de référence, donc pour avoir un comparable. Mais vous le comparez à quoi 2021, mettez colonne 2021. Ouais, 24, 22, 23, 24. Oui. Donc, pour voir non, on ne parlait plus dans la même affaire. 22, c'était le réel. Mm. Les autres, c'est le budget. Exact. Non, en fait que ce n'est pas la même chose. C'est ça. On a le réel 2022, parce qu'on est capable de l'avoir. Ouais. On a le budget 2023, forcément, on n'a pas le réel, parce qu'on va l'avoir au 31 décembre. Puis on a le budget 2024 qu'on voit maintenant. Bon, la dernière, parce qu'on va laisser la place à d'autres, s'il y en a. Euh, en décembre 2017, les réserves de l'arrondissement totalisaient 13 564 527 Depuis ce temps-là, depuis 2018-19-2021-2022, 20, vous nous avez présenté des beaux résultats, ça paraît bien, avec des surplus cumulatifs de 23 490 000 Et pourtant... Page 28, pardon. Oui. Alors, les surplus cumulatifs, là, 23 millions 490 000. Puis aujourd'hui, on a des réserves de 8 748 mille. Alors, euh, je sais que c'est allé dans des projets puis tout ça. Mais moi, je reviens sur une chose que Mme Siminaro m'avait dit, puis que quelqu'un d'autre a dit après ça que c'était euh, discutable. Qu'est-ce que vous dépensez? quand vous pigez dans les réserves, n'est pas comptabilisé dans les résultats, parce que vous n'auriez pas cumulé 23 millions de plus que le 13 millions. Ça, ça n'a pas 36 millions. 36 millions moins 8 millions, ça sent, ça c'est plus de 28 millions qui ont été dépensés, puis, OK, vous nous dites telle, 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 telle chose, là, mais il n'y a rien de prévu, c'est à mesure que ça arrive. Donc, pourquoi j'ai jamais compris le, cet élément-là de la comptabilité municipale? Pourquoi ce n'est pas dans les charges, puis arrivé après ça, mais avec un résultat bien, autour du zéro, parce que c'est ça en réalité. Et depuis 2017, en réalité, les réserves ont fondu de 13 millions, de, de 5 millions. Avec des surplus de 23 millions. C'est dur à comprendre. Mais, en fait, c'est que là, c'est sûr que, entre guillemets, on ne cède pas en vous présentant cela parce qu'au 10 octobre 2023, en fait, en octobre 2023, excusez si on peut revenir à la page 28, okay, oui. c'est le moment où les réserves sont les plus basses dans le sens où on a dépensé une partie des réserves pendant l'année, mais on n'a pas renfloué les réserves avec le surplus de l'arrondissement. Puis à l'arrondissement, de manière assez structurelle, on fait des surplus. Et c'est pour ça que vous voyez qu'au 31 décembre, bien, en 2021, euh, il y avait 10,7 millions. En 2022, il y avait un 9 millions. Puis en, en, en décembre 2023, bien, il y aura très probablement plus parce qu'il va y avoir de l'argent qui va être rentré par la suite. Par euh, le surplus. Ceci dit, c'est les pages suivantes. Euh, puis, je veux dire, c'est vraiment notre administration qui avons instauré cela. Là. Ça ne peut pas être plus clair que ça aux pages 29, 30, 31 et 32. On vous fait la liste complète oui. de ce qui a été payé par les réserves cette année. Puis l'année dernière, on a fait la même chose, puis l'autre année d'avant aussi. Donc, il y a bon an, mal an, depuis 2018 entre 3 et 5 millions, mais plutôt entre 4 et 5 millions de dépenses par année à partir des réserves. Mais les réserves se gardent à peu près au même endroit parce qu'on en remet chaque année grâce au surplus de l'arrondissement fait par euh, l'année en cours. Non, ça, je pas de problème avec ça. Sauf que quand vous me dites, par exemple, à la page 32, un poste temporaire de deux d'argent de recherche pour deux ans. 205 682. Oui. Je ne l'aurai pas dans les résultats de 2023, ce 205 000. Il, il sera pas, vous ne l'indiquerez pas comme une charge. C'est ça qui est illogique. Bien, en fait, là après, c'est les comptables qui décident comment. C'est des surplus libres. Hein, donc, ce n'est pas de la calculer exactement de la même façon, mais c'est pour ça qu'on vous fait une reddition de compte impeccable. Là, vous avez tout, 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 tout à cet endroit-là. J'ai comme un peu de difficulté à comprendre ce que vous souhaiteriez de plus. Là. Je ne sais pas si euh, M. Cardinal, si on a... Il y a. 5 millions de dépenses à oui. partir des réserves, que ce 5 millions-là figure dans les charges? Mais ce n'est pas, pas on le budget. Arriverait avec zéro. On ne se pèterait pas les bretelles qu'on ait un surplus de 5 millions, là. Ce n'est pas, pas la même chose. Okay. Non, bien non, M. Euh, Larocque. Puis en juin, puis relisez, s'il vous plaît, euh, le rapport de la mairesse de juin 2023. Euh, les surplus, par exemple, 2022, mm -hmm. ce ne sont pas du tout ça. C'est des choses différentes. Fait qu'on fait des surplus sur des familles de dépenses X, Y, Z, puis on vous indique comment on fait des surplus à chaque fois dans le rapport de la mairesse de juin. On vous indique comment on a fait les surplus. Puis ensuite, ces surplus-là, on les verse dans les réserves. Puis par la suite, les réserves, on les utilise d'une autre façon. Mais ça balance pas toujours. Une année, on peut avoir 4 millions de surplus, 5 millions de dépenses. L'autre année, on peut avoir 5 millions de surplus, 4 millions de dépenses. Ces deux choses, évidemment, c'est le même argent. Mais on a, ce que je pouvais vous dire, c'est que les dépenses qui sont faites à même les réserves ne sont pas forcément là où on a fait des surplus dans l'année en cours. Non, ça, ça ce pas grave, mais ils ne sont pas d'un charge non plus. Non, effectivement, parce que c'est des surplus oui, libres. Ça. Mais là, on vous dit comment on les affecte. Oh, alors que d'autres m'ont dit, oui, il étaient inclus d'un charge. Merci. Merci beaucoup. Donc là, il n'y avait personne d'autre qui s'était inscrit à euh, la, la période de questions. Et je vais juste valider dans mon fichier. Donc effectivement, on a fait le tour de la période de questions pour euh, ce conseil. Alors on passerait maintenant, Madame Châteauvert, à euh, 30.01. Alors approuver et transmettre au Comité exécutif de la Ville de Montréal les priorités relatives aux projets inscrits dans le cadre du programme décennal d'immobilisation 2024-2033 de l'arrondissement dannecy cartierville Je propose. J'appuie. C'est adopté. En 30.02 affecter un montant de 1 10, 700 des surplus de l'arrondissement à l'équilibre budgétaire, approuver et transmettre au comité exécutif de la ville de Montréal le budget de fonctionnement 2024 de l'arrondissement dannecy cartier -Ville. Je propose, j'appuie. C'est adopté. Et nous passons maintenant à 70.01, c'est la levée de la séance. Alors, je propose la levée de la séance et on a quelques minutes de battement avant le prochain conseil ordinaire à 19h. Merci d'avoir été là.